Hey, Bob, I'm looking at what Jack was talking about, and it's definitely not a particle that's nearby. It is a bright object, and it's obviously rotating because it's flashing. It's way out in the distance, apparently rotating in a very rhythmic fashion because the flashes come around almost on time. Judéo-chrétienne de par ma mère qui était d'origine italienne un petit peu, et qu'il fallait surtout ne jamais avoir de problème avec les voisins, ne jamais ici, ne jamais là, quoi, toujours être un enfant modèle. J'étais complètement écrasé par l'éducation un peu d'une maman, et puis d'un autre côté mes frères qui m'apprenaient à boxer, mais je faisais pas le parallèle. Et le jour, le déclic pour moi, c'était la fois où un caïd du quartier, et un jour pour une histoire de ballon, on en est venu aux mains et je prenais une trempe et mon frère qui était à l'étage au-dessus qui criait « Robert, défends-toi, défends-toi ». Et comme j'avais plus peur de mon frère que du mec qui était en bas, j'ai fini par appliquer ce que me disait mon frère et je me suis rendu compte que je touchais et que l'autre et j'évitais les coups de l'autre et que je le touchais. Je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait une prise de conscience de mes possibilités. Et j'ai pris conscience ce jour-là qu'il fallait mieux être le boucher que le veau et qu'il fallait se défendre quand il était temps, quoi. De là, il est parti toute une série où je réglais mes comptes avec tout le monde. Et j'allais même un petit peu au-delà de régler mes comptes. Et puis je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des limites à tout. C'est-à-dire que je prenais aussi des pions et que j'avais aussi encore des progrès à faire. Il y a un club qui s'ouvre à Nanterre, donc j'y vais la première fois voir. En fait, je sais pas trop si je vais faire de la boxe française ou du karaté. Je regarde le karaté, je vois et puis à côté, je vois les mecs qui se marrent et tout ça. Je dis oh, c'est ça que je vais faire déjà, c'est sûr. Après 6 mois de salle, je suis monté en face d'un adulte, alors que j'étais encore un adolescent, et, qui était plus lourd, qui était plus expérimenté, et qui aurait pu me abréger un petit peu ma carrière tout de suite, quoi. J'y repense maintenant, je me dis, c'était un truc de fou, quoi. Et une belle ambiance. Et distance. Le coup arrive au corps. Italien dans le coin, il le prend une belle droite. Ah oui, oui, oui. Ça y est, il reste dans le coin, c'est bon. Oui, vous voyez le mouvement tournant qui était contré par Robert, un mec qui l'a lancé. Travail de distance. J'ai jamais considéré mes adversaires comme des ennemis, moi. Bien au contraire, il y a toujours. Comme quoi, c'est un système de communication comme les autres, puisque quand je boxe avec quelqu'un que je connais pas, après j'ai envie d'aller lui parler, quoi. J'ai envie de mieux le connaître et j'ai envie de sympathiser avec. Donc ça prouve que ça crée des liens, hein, finalement. Avant un match de boxe, on est tous un petit peu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va faire de la boxe, hein. C'est pour se mettre à l'épreuve. Hein. Quand je reviens maintenant avec le recul, aussi bien quand je me retrouvais derrière une porte avec une arme à la main et que j'allais chercher un mec qui avait un fusil, on se dit mais qu'est-ce qu'on vient foutre là, quoi. Et quand on est dans le vestiaire avant de monter sur le ring, on se pose la même question. Qu'est-ce que je viens foutre là, quoi. Je serais pas mieux avec les copains dans la salle à regarder les matchs de boxe et puis les autres qui se mettent sur la courge. Mais le jour où on n'y est pas, on a l'impression qu'on ne fait pas partie de la fête, quoi. Oh, on met les bellows. She'd grown up hungry, she'd grown up poor. She left her home in Arkansas. Oh, j'en fais donc, bloc. Ok, là je pars sur le genou. Okay. On fait attention à cette jambe tout de suite, qui peut repartir, d'accord. Je vous montrerai après d'autres possibilités. Là, je vais le passer sur l'épaule pour le faire tourner. Ça tourne. Quand c'est fait, regardez, je contrôle toujours la cheville avec le coude. Là, je pivote. Voilà. Ok. Quand on est policier, on menotte. On peut se mettre en position aussi pour faire autre chose. Quand je suis rentré dans la police, en fait, c'était uniquement parce que
des policiers qui étaient dans mon club à Nanterre me disaient « Pourquoi tu viens pas chez nous? Tu pourrais aller au moniteur de sport et tout ça. » Finalement, j'ai appris à aimer le métier parce que je me suis vraiment intéressé à l'aspect police. J'enseignais des techniques de police, j'étais spécialiste en technique, menottage et compagnie, alors j'ai jamais menotté quelqu'un pour de vrai. Et en fait, j'éprouvais le besoin de connaître vraiment le métier pour l'enseigner. Et quand il y a eu la création du RAID, j'ai postulé. Comme j'entraînais déjà la brigade anti-gang et tout ça, en boxe et tout ça, et ils ont été intéressés, donc ils m'ont aspiré en disant, il va faire... tu vas t'occuper de la formation en tir, en boxe et tout ça. Et moi, j'ai dit, mais non, moi, je sors de l'école de police comme formateur. J'avais le complexe, justement, de ne pas pratiquer. Donc, ce que je veux, moi, c'est aller sur le terrain avec les autres. Donc, depuis, au RAID, la groupe formation est le groupe qui va sur le terrain avec les autres et qui va en intervention avec les autres. C'est même le groupe qui va en tête, quoi. Quand on est au RAID, qu'on a vraiment postulé pour le RAID, quand on est en vacances, on est un petit peu chagrin parce qu'on se dit il y a sûrement une belle affaire qui va tomber et je ne serai pas là, quoi. Donc, quand on bande pour le service, comme dirait l'autre, c'est parce que on a toujours peur de manquer l'affaire du siècle. Quoi. Là, je vais vous montrer des choses qu'on fait quand on est tous les deux tout seul ou que les copains sont avec moi ou... en situation, par exemple, d'intervention. Bon, déjà, pensez, montez votre main le plus haut possible. Ensuite, ne travaillez pas avec le plat du bras, parce que c'est mou. Travaillez avec le tranchant radial. C'est ça qui va... Vous voyez, je monte simplement. Déjà, il commence à avoir un petit peu mal, sans forcer. Simplement, le fait de reposer sur la partie radiale. D'accord ? Après, je lève le coude vers le haut. Simplement, la douleur est là. Ça faisait partie des techniques self-défense que j'enseignais, moi, au niveau du RAID. J'avais monté une petite structure de formation self-défense en tenue d'intervention. Donc, on s'en servait beaucoup des percussions. Percussions avec le gilet pare-balles, percussions avec le casque, bien sûr. Percussions avec le fusil, avec le bouclier, même. Travailler avec l'arme à la main, donc couverture du pontet pour éviter de mettre le doigt sur la queue de détente. Et boxer avec son arme, bloquer un coup avec son arme, un coup de pied par exemple, riposter avec son arme sans mettre le doigt sur la queue de détente. Donc ça, c'est les choses qu'on fait. Et dès qu'on peut, on va ranger son arme à l'étui, on va fermer son étui pour être sûr de pas faire une connerie. Quoi. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Je dis souvent, moi, en boxe de rue, que dans la rue, il faut pas aller au sol. Dans notre partie boxe de rue, on a la lutte de rue aussi, hein, c'est-à-dire la projection, les choses. Si on est emmené au sol, on essaye de se relever très vite. Parce que toutes les techniques que l'on peut faire sur un tapis ne sont pas adaptables à la rue. Même MMA, il y a plein de choses qu'on ne peut pas utiliser dans la rue. Ou alors, il faudrait vraiment aller très vite, être sûr de ne pas se faire niaquer, être sûr de ne pas se faire mettre un doigt dans l'œil et tout ça. Quoi. On parle beaucoup plus de vérifier l'environnement, papam, rester debout, papapam. On envisage toujours l'évitement, la fuite, la négociation. Le combat, ce sera en dernier. On évite le combat au maximum.